Nous voulons voir parmi les léopards, les Abrams, les Challengers, les Leclerc français qui nous renforceront au sol, mais également les Mirages et les Rafales qui, ensemble avec d'autres avions de nos alliés, protégeront le ciel ukrainien. Donnez-nous les avions. Donnez-nous les ailes de notre victoire. Madame la Première ministre, êtes-vous prête aussi à répondre favorablement à la demande que j'ai formulée avec mon collègue Fabien Roussel au nom du groupe de la gauche démocrate et républicaine pour que soit organisé ici même un débat sur la position de la France concernant la livraison d'armes? Nous partageons tous ici la volonté de ne pas alimenter une logique d'escalade et de précipiter notre pays au seuil d'une guerre totale. C'est pourquoi nous demandons à ce qu'un débat soit organisé à l'Assemblée nationale sur le rôle que la France doit tenir. La gravité de ces enjeux mérite un débat démocratique et je sais que plusieurs groupes sur des bancs différents y sont favorables. Sans doute, la position française souffre-t-elle de l'isolement du président de la République jusque dans son propre pays, une des seules démocraties dans laquelle le chef de l'État ne partage pas ses opinions stratégiques avec le Parlement. Êtes-vous prête à organiser ce débat au Parlement? Nous sommes prêts à étudier les demandes supplémentaires des Ukrainiens en veillant au respect de trois principes. D'abord, notre aide ne doit pas provoquer d'escalade. Ensuite, elle doit être utile et efficace rapidement. Enfin, elle ne doit pas affaiblir nos propres capacités de défense. Des capacités qui augmenteront significativement ces prochaines années, comme le proposera la future loi de programmation militaire. Sur ces fondements, le ministre des Armées étudie les options possibles. Chaque pays dispose de domaines d'excellence et nous devons nous coordonner au mieux avec nos alliés.